Et yo les amis! Et aujourd'hui c'est Compile, je vous ai préparé une super compile de jeu What the Fuck! Je suis en train de m'étouffer! Allez casque! Alors comme tu le sais, ça arrive très souvent que les développeurs pètent un peu les plombs. Et du coup on va attaquer par du lourd, on va commencer par le jeu Milky Boobs! Très très gros jeu à connotation alimentaire, bien sûr. Voilà, on est largué sur une plage et comme tu vois, il y a plein de filles en feu qu'on doit refroidir avec du lait. Il faut aussi remonter le moral des filles. Il y en a même qui courent contre les arbres. Oh là là, il y en a plein! Mon dieu, cette hécatombe! On dirait un mauvais rêve, le jeu. Enfin, un bon rêve, plutôt. Vite, on va recharger dans la glacière, allez! J'arrive! Dites bonjour au nouveau barman, que voulez-vous, les filles? Ah, deux contre l'arbre! Elles aiment bien les arbres, je sais pas pourquoi. Voilà, des arbres du lait et des bikinis, c'est la vie! Ah, elles aiment bien ce petit coin, là! Oh non, elle est restée accrochée! Ah mon dieu! Au secours! Ah! Le pire c'est qu'il n'y a rien à faire dans le jeu, mais je suis sûr qu'il en a vendu beaucoup. Deuxième jeu What the Fuck, on se retrouve sur Veggie Killer pour une chasse aux légumes. On se retrouve donc dans le Meat Park pour faire un bon barbecue. Comme tu vois, seulement de la viande, pas de légumes. Et pas d'enfants qui crient. Et puis on se fait d'un coup attaquer par des légumes, donc on doit faire un carnage. Ah! Putain, le chou-fleur, il a failli m'avoir. Ah! Une pomme qui tire des pommes. Ah, on va pouvoir les défoncer. Ah putain, les brocolis, ils sont chiants. Regardez, il y a une armée. Ah! Oh! Voilà, j'ai quand même réussi. Ah, j'ai quand même réussi à avoir peur d'un légume, tu vois. Voici, toi aussi, t'aimes pas les légumes, tu prends un gros fusil à pompe et tu les défonces. Putain, les choux-fleurs. Ah, je les déteste. Putain. Ah. Et les poivrons aussi, j'aime pas ça. Oh, regardez, ils sont combien? Ah. Voilà, j'ai été tué par un poivron. Et du coup, on bascule sur le jeu Need for Drink. Le but est très simple, devenir sous avant que ta femme rentre du travail. Voilà, tu as rencontré ta femme sur Cupid Meet et 5 ans plus tard. Je pense que pour créer un jeu comme ça, ça sent le vécu du développeur. Allez, c'est parti, on y va, on prend tout ce qu'on trouve. Voilà, il faut faire très vite, on a que 3 minutes 43. Où est-ce qu'elle a tout caché? Le frigo, putain, mais je suis con. Elle est où la cuisine? Ils ont pas de cuisine? Oh, des bonbons. Voilà, le but c'est aussi de bouffer pour pouvoir enquiller plus d'alcool, quoi. De l'éthanol de luxe. Putain, ça doit faire mal. Ah, dans le garage. Oh, je vois un truc. De la bière. Du citron, gingembre, c'est bon, je crois que je peux prendre l'éthanol. Et là, il y a de l'éthanol. Non, du diluant, putain, c'est encore pire, quoi. Ah merde, il commence à plus voir très clair. Il faut que je mange un truc. Dans la chambre du gosse, alors ça, c'est pas bien, quoi. Il y a de l'absinthe fulminante. Tu vas avoir des beaux enfants, toi. Du chocolat à moitié mangé. Du fromage hollandais par terre, putain, on dirait que c'est chez moi, quoi. Du dissolvant pour les ongles. Ah, mais mec, voilà, ne faites pas ça à la maison, bien sûr. Du parfum Gaba Weekend. Ah, j'ai gagné! Jeu qui peut être drôle en multi, mais forcément, bah, y a personne. Donc du coup, tu te fais chier comme un rat mort. Et on va finir cette compile par mon jeu coup de cœur du moment. Voilà, jeu gratuit que je vous invite à essayer, jeu qui va vous rendre totalement fou. La course impossible. Allez, c'est parti. Voilà, et... Ah! Il faut rester concentré sur ce jeu. Tu vois, jeu qui est cool, qui détend. Oh, putain. Et là, on en est qu'au niveau 1, tu vois. Bon, le niveau 1, il est quand même facile, hein. Ah! Trop facile pour moi, on passe direct au niveau 3. Ouah. Je commence pas encore à rager, tu vois, je suis plutôt bon, je me suis un peu entraîné. Ah! Allez, concentré. Alors l'astuce, c'est de passer par les côtés, j'ai compris. Ah, mais en fait, il suffit juste de pas... En fait, il suffit juste de pas... Allez, on y va! Yeah, c'est passé! Ah, mais sérieux! Allez, on augmente le niveau, on passe au niveau 5! Ah! Il faut faire comme ça! Pff. Allez, c'est parti! Ouah, je suis passé, je sais pas comment. Ah! Voilà, je vous invite absolument à essayer ce jeu. Le jeu totalement impossible, quoi. Oh! Ah! Oh! Ah, mais je m'emmerdais trop, en fait. Ah! T'as comme il est dur ce jeu, je te jure. Le niveau 7. Bon, ça va, c'est assez simple. Je peux le faire les yeux fermés. Ah putain, le mec il dévie. Ah! Allez, level 8 direct, quoi. Ah, mais les malades! Ils ont fait la même chose avec 3 trucs. Là, il faut du skill, les gars, hein, je vous dis. Non! Oh. Ça me donne envie de vomir, putain. Bon, j'abandonne, putain, ça me saoule. On va tester direct le niveau 10. Hein. Comment tu veux passer? Celui qui finit le niveau 10? Je sais même pas comment... Ah ! Ah, j'ai compris, attends. Oh ! Ah, j'ai compris, il faut sauter dès le départ. Oh, je suis pas... Poupi !
suis passé. Et comment tu veux passer ça? C'est impossible. Oh! C'est ouf, c'est ouf. Moi j'y ai laissé une couille. Voilà, ragez bien les amis. Et on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, alors portez-vous bien, jouez beaucoup. Mettez des coups de boule au clavier. Et à bientôt, ciao.